Et 73-51, les stations fréquences de la part de 14 Kilo Mike 33-01, Dandy 33, opérateur Rémi, pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Attention, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Attention les stations fréquences pour 14 Kilo Mike 33-01, Dandy 33, opérateur ami qui l'on s'appelle pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Oui, Roger Bip, les vols sont 13-51. On dirait qu'il y en a qui n'ont pas fini leur café là. Hachi. Heureux. 73, ouais, t'es le premier ici. Il y a un Roger Bip qui est là, là qui a commencé le QSO avec moi. Voilà, bon, donc t'es le deuxième. Ouais, mais il arrive, il n'y a pas longtemps. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors, as-tu fait quelques empiètes ce matin? Non, moi, tu sais, j'ai tout ce qu'il faut en matériel. Moi, je suis venu pour faire un tour pour voir du monde, et puis voilà. Hein. La division 14, sud-ouest France, final. Aïe, aïe. Non, ben, hey, toi, là, pour une fois, moi, c'est pareil, hein, j'ai rien pris. Hein. J'ai résisté. J'ai vu quelques trucs qui me plaisaient bien, ça. Comme j'ai vu la Midland 7001, là, qui était bien sympa, ça. J'ai vu d'autres trucs aussi, là, qui étaient pas mal sympas. Et puis, au bout du compte, non, j'ai résisté. C'est pour voir
bord du bronze, puis après voilà, un petit peu. Ouais, il vient me faire chier. Qu'est-ce qu'il y a là, station? Oui, la station qui parle, là, il est venu, après il est venu me faire chier. Bonsoir tout le monde, salut Dandy, Centrale, oh, salut Eric, et je sais pas qui c'est qu'il y a d'autre, voilà, j'étais sur l'Africa, j'arrive juste. Ok, 73 retourné. Ben non, on démarre tout juste. Ah, vous êtes que tous les deux? Eh oui, comme un vieux couple. Ah, je vous laisse alors, j'ai pas envie de casser une relation intime avec. Non, mais après, j'ai pas envie, comme on dit, là, le coyote, il fout sa merde à chaque fois. Ah, je vous laisse tous les deux. Ah, il y a du monde qui va arriver. Non, mais vos histoires, ça m'a l'air de pas. Moi, j'ai pas envie de casser un couple. Non, je déconne. Je déconne. Non, j'étais avec Jeannot, là. On a fait des essais sur le truc. Et toi, ça marche hyper bien. Hein. Bon, mais tant mieux. Ouais, il y a le réseau qui devrait arriver là pas longtemps, mais le livreur de pizza a dû être déjà retardé, je pense, un peu. Putain, on a oublié de le charrier avec ça, là, la Radio Broc. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, en fréquence. Il m'a dit qu'il viendrait, mais je ne sais pas trop à quelle heure, parce que le livre, comme il commandait des pizzas. D'accord. C'est bizarre, attends, je reprends. C'est bizarre, avec sur les fréquences basses, t'as la radio qui baisse vachement. La radio qui baisse vachement. Ah, je peux te dire. Si je te le dis, Dany, tu l'entends. Moi, t'as un signal de 5, mais c'est ta radio qui chute. C'est pas fort comme si quand on est sur le, je sais pas, le 965, un peu comme ça, tu vois. C'est beaucoup moins fort, beaucoup moins puissant. Juste une question, Eric. Ton antenne, elle est la mieux réglée sur quelle partie là, de la bande de fréquence? Ben normalement, si je suis sur l'analyseur, je crois qu'elle est bien réglée sur les. Il n'y a pas trop de théorie, c'est parce que. Mais sur les bandes 20, 27, 800 ou 900, on était comme ça. Mais sinon, les autres, il y a quoi? Il y a pas, il y a un de TOS. Eh, va savoir, peut-être que ça suffit pour bouffer un petit peu, même si je vois pas le rapport avec la radio. Mais bon, si l'antenne est mieux réglée là-haut, donc elle a un meilleur rendement là-haut. Quelque part tout est lié quoi. Ça expliquerait pourquoi là ici t'as un petit peu moins de rendement. Et attends, on prend. Elle part de 25 jusqu'à 30 mégas alors. Non mais Eric, je te l'ai dit, non, c'est vrai, attends. En plus haut, Eric, je t'entends, c'est pas que je t'entends pas. Je t'entends. Et quand on est en haut, je peux te dire que la radio est vachement plus forte et c'est pas du tout pareil. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. Bon, après, j'en sais rien, j'écoute rien, moi. Elle capte peut-être un peu plus de QRM ici que sur les fréquences plus hautes. Ah, peut-être, oui. Peut-être. C'est pas grave. S'il y a des QRM, je vais enlever le QRM. On va enlever le QRM, hein. Bon, le livreur, de pizza, là. Stéphane, le boulanger? Ouais. C'est pas, il est en train de tripoter les miches, là, qui se gratter le jarret. Mais attends, il a t'enregistre, oui. Tu veux que je fasse des coupures, c'est ça? Non, je m'en fous. Non, mais comme j'ai dit, il est en train de tripoter les miches et puis se gratter le jarret. Oui, ben les miches de pain et j'arrête de porc. Ouais, tu peux le laisser, moi j'aime bien les collets.
Je vois pas ce qu'il y a de mal poli dans les miches de pain et j'arrête pas. C'est... c'est... Il y a rien de mal poli là-dedans. Bon, t'as fait le bon million à la revue. Oh putain, ce boulot là. D'ailleurs là, toi là, en même temps, là, je suis en train de travailler un peu, de commencer à travailler dessus là. C'est... Là, il va falloir que je coupe, que je recoupe, que je fasse un truc propre, et peut-être un peu plus court, parce que là, c'est un peu trop long là, pour commencer. J'ai trouvé qu'il y avait moins de monde quand même plusieurs années. Ah ouais? C'est marrant ça, parce que j'ai discuté avec quelques EM qui eux trouvaient l'inverse. Hachi. Ouais, remarque, peut-être qu'ils sont arrivés un peu plus tard, mais au début, même si par rapport à ce que j'ai au début, je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde par rapport aux autres années. Bon, après, ils sont peut-être arrivés plus tard, hein. Bon, après, c'est parti. Hein. C'est vrai, jusqu'à midi, de toute façon, c'est resté pas mal plein. Hein. Puisque là, j'ai fait plusieurs morceaux là sur toute la matinée et tout ça. J'en ai profité en même temps là pour faire un truc là avec Ludovic là par rapport au WebSDR, justement là qui nous explique ceci, cela, les projets pour le WebSDR. Bon, je vais pas tout dévoiler, tout ça, c'est ça sera dans le montage vidéo là qui nous parle un peu de tout ça quoi. Ah, ok. Là, mais moi à midi j'étais parti déjà. Oui, je crois que t'es parti vers 11h, non? Ouais, je suis parti vers 11h, un peu plus 11h. Ouais, il me semblait que c'est ce que tu avais dit. Ouais, c'est ça, j'avais averti Daniel, moi, que je reste pas. Ah, ouais? Hein? Ah, Doudou. Doudou, dis donc, les banques 73 à toi. 73, Dundee, j'ai entendu au loin, 73. 73 au tournée. Bon, hé, tu nous as manqué là ce midi là au gastro. Hein. Et ce matin, c'est pareil à Radio Broc. Eh ouais, j'avais deux trucs de prévu le matin, donc c'était compliqué pour moi, mais j'y suis allé en fin d'après-midi, mais bon, il n'y avait plus rien. Ah, mais je devine bien, quand les obligations sont là, bon, ben, elles passent avant le reste, hein, c'est bien normal. Hein. Et moi, c'est pareil, hein, depuis le début d'année, là, tu m'as pas beaucoup entendu là, sur le QSO là, du canal 27. Hein. Ben oui, voilà, les obligations étaient là. Pour la grande majorité, c'était le pro. Les deux fois où j'étais en repos le week-end, bon, ben, là, c'était plus obligation familiale, c'est-à-dire hors département. Et c'est forcément, oui, ben voilà. Retour du loup. Bah, excuse-moi, Dundee, ouais, j'ai mon fils qui me parlait en même temps là. Ouais, bah, en fait, j'avais oublié que mon fils avait la motocross le même jour. Et du coup, on est aussi obligé de partir à 7h30 du matin, là, direction le stade de motocross, là, et jusqu'à midi, midi et demi, là. Donc le temps qu'on rentre à la maison et tout, il était déjà 13h30, 14h. Et le temps que j'y aille, on a mangé. J'y suis allé vers les coups de 15h, mais bon, il n'y avait déjà presque plus rien. Ouais, ben voilà. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand ils disent que ça ouvre à partir de 8h30, ça veut dire qu'avant ça, il y en a qui ont déjà fait du repérage. Et dès l'ouverture, paf, ça y est, parce que joie nous, là, on est quand même arrivé de bonne heure. Hein. Bah oui, peut-être déjà avant l'heure. Et on a envoyé déjà sortir les bras chargés. Ouais, j'ai pas tout compris. C'est pas normal. Pas mal de perturbations de mon côté là. Et je module avec le Yazoo, là, le ST450 là. Donc du coup je connais pas tous les réglages encore sur le poste là. Je sais que t'as le même, mais voilà, il y a pas mal de filtres de machin. J'ai pas encore tout compris le principal là. Ah non. Ouais, salut Zouzou, c'est Coyote qui te parle, ouais. Rémi, tu disais, il est arrivé de bonne heure et ils sont repartis avec les bras chargés.
T'as reçu, Loulou? Ah, vas-y, j'ai entendu Eric, là, vas-y, Eric. Ouais, il s'est dit, je n'entends plus. Et puis repartir une voix chargée. Non, je comprends bien. Quand les QRM sont là. Là, qui m'ont dit qu'il fallait... C'est quasi, moi, je l'entends bien. Le matin, j'étais déjà parti, donc compliqué pour moi de faire les deux en même temps. Donc, bah, c'est pas grave, hein, qu'est-ce que tu veux. Hein. Je trouverai une alimentation sur l'internet, hein, comme d'habitude. Hein. Ouais, vas-y, à toi, Rémi. Oui, il y a quelqu'un qui s'est signalé derrière. De quoi, Rémi? Il y a une autre station qui s'est signalée, disant « moi j'entends bien ». Je vais faire un test. Attends, vas-y Eric, dis-moi. Il y a une station derrière qui s'est signalée, alors vas-y Rémi, je vais rentrer. Ok, en avant la station avec les 2073-51 du groupe. Bon, bah, c'est pas grave, merci d'avoir dit que Doudou passait bien. Ah, il n'a pas dit Doudou, il a dit moi je t'entends bien, c'est quand moi je parlais, donc j'ai compris. Ah, bon, moi je vais pas chercher à comprendre, c'est pas grave. Ouais, non, mais laissez tomber, voilà, c'est encore un. On n'est pas là, je sais que t'enregistres, je suis pas là pour me prendre la tête, voilà. Allez, à toi, Doudou! Merci. Ouais, 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 ok, ok, merci du retour, là, mon petit Eric, là. Ouais, je suis en train de faire plein de touches, en train de toucher à tout dans le poste, là. Donc, ouais, je reste là, je suis en stand-by, là. Autorélie. Ok, bon, sur le poste, là, ben, profites-en, quels sont les quelques paramètres que tu peux... Tu dis que tu as le même que nous. Eh bien, justement, profites-en, saute sur l'occasion, là, pour poser des questions. J'ai pas l'impression qu'ils nous entendent fort, mais oui, parce qu'ils comprennent la moitié des choses. Ouais, je vous entends pas comme, comme d'habitude, hein. C'est un truc de dingue. Oui, je me rends compte parce qu'ils te parlent, mais tu leur réponds en bas. Zouzou, tu m'entends pas là quand même? Oh, Zouzou, est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, j'entends, je t'ai entendu, y a pas de souci, hein. Mais je sais pas. J'ai l'impression d'avoir moins de réception qu'avec le Shogun là. Ah, ouais, si t'as changé de poste, ouais, là, t'es pas avec le Shogun alors, c'est ça? Ouais, il a un 450, lui aussi. Oh, c'est des postes de merde, ça. Le colère, il vient de loin, il y a un, ça capte rien. Non, mais il connaît pas les réglages encore, c'est pour ça. Ah, mais ici, il n'y a pas longtemps qu'il a, c'est sûr, c'est ce qu'il règle. Mike? Oui, ouais. Ouais, bonjour les stations, ici 14-33 Bravo 17, opérateur Frédéric, la Charente-Maritime. Les 73 Fredo de Dundee 33, comment vas-tu? Salut, vous parlez tous les dents. Du Coyote, Thierry, et de Doudou. Rémi, tu dois bien l'entendre, toi, de ton côté. Ah, tu m'étonnes, les 73 à toi, Frédéric. Ah oui, il passe bien de mon côté. Hein. Les 73, Frédéric, comment vas-tu de la part de Dundee 33? Bah écoute, Dundee, ça va pas trop mal depuis tout à l'heure. Hein. Depuis qu'on s'est vu au Radio Broc, pas grand-chose de plus. Je vous entends très très bien. Toi, je t'entends très bien. J'entends un autre qui passe très fort et un autre un petit peu plus bas, par contre. Ok, du coup là aujourd'hui j'ai l'impression que là, dans le lot qu'on était, il n'y a pas grand monde qui a acheté quelque chose hein, aujourd'hui. On s'est parlé l'autre jour au PMR là. Aïe. Ah, oui, okay, ouais, je me souviens, ouais. Ah, vous prenez, vous allez parler ensemble. Ouais, je m'en suis rendu compte, vas-y Thierry. Ouais, salut Frédéric, voilà, sans pas la vie, voilà. On s'est parlé l'autre matin au PMR, là, qu'il était dans son mobile avec le PMR, voilà. Voilà, ok, ok, voilà, mais ça m'a fait bien. Mike, Mike. Oui, le Mike. Oui, le Mike, ça s'adresse tout le monde, opérateur Stéphane sur presse, les bons chiffres à tout le monde.
Toyota, Dundee, Frédéric, Doudou, Eric, aux écouteurs, 73. Retour, Eric. Ok, les bonnes 73 à toi. Bah ça va, il y a un peu de monde ce soir. Remarque, ça, c'est l'effet Radio Broc. L'effet Radio Broc, ça débroque. Voilà. J'entendais bien l'opérateur Frédéric, là, toi, Charles, ça passe bien. Voilà, Doudou, c'est bizarre, c'est pas de réception, peut-être avec le poste que t'as, non? Je sais pas. Logiquement, tu devrais entendre mieux qu'avec le chevaux, hein. Ah bah je sais bien, mais bizarre. J'entends moins avec celui-là qu'avec le second. Après, je sais pas. Mais le RFK est au maximum. Eric. Moi je connais absolument rien de... Attends, il est à côté, on est en bas. Je vais rentrer dans le menu, là, je vais voir ça, là. Ok. Eric. Oui, Rémi. Ok, puisqu'il m'entend pas, demande-lui de d'aller dans le DSP, de descendre sur le Witch et de l'ouvrir au maximum. Ouais, mais je lui ferai passer les réglages, parce que je ne veux pas trop qu'il touche dans les menus qui les règle tout. Eric ? Oui ? Ben non mais ça, je suis sûr que c'est toi qui as dit le réglage à Doudou. J'en suis sûr la parole t'a fait encore. Hein? Parce que je sais que t'as le même prof, moi je connais le prof. Tu lui as dit j'ai mauvais réglage pour pas qu'il te survive. Je te connais, je me dis pas le contraire. Hein? Ouais. Je n'aime pas où est le RF gain là-dessus là. Eh hey, Doudou. Oui. Je comprends pas, toi tout à l'heure quand on t'a vu en QSO, t'étais avec le chevaux, je crois. Tu disais que par rapport à l'alimentation, tu avais une petite alimentation. J'imagine que tu as une autre alimentation pour alimenter 1450 quand même. J'utilise. Là, je suis avec une vingtaine de watts hein, maximum. Hein, je ne peux pas utiliser beaucoup plus. Hein. Ah, d'accord, ouais, je comprends mieux. Ouais, ça, ouais, au minimum par rapport à l'alimentation, ouais, d'accord. Ouais, Doudou, t'inquiète pas. Si tu viens me voir, tu me l'amèneras, ton poste, je te le réglerai, moi. C'est pas ce qu'on est. Non, au contraire, au contraire. Si je connais Eric, il va lui régler nickel chrome. Tu vas aussi, Doudou? Oui, Eric, nous c'est pareil. Doudou? Attends, Frédéric. Frédéric, attends, oui. Ah, je suis là. J'ai pas pu le temps de suivre un petit peu la conversation, là. J'étais sur autre chose au passage, et puis ceux qui sont un petit peu plus lointains, là, je les entends pas très très bien. Du côté de Libourne, ça passe fort, mais après, je suis un peu limité. L'omnidirectionnel est pas top encore, on va dire. Vivement la directive. Ok, ouais, je reprends, ouais. Libourne, c'est terrible, mais tu dois entendre Dundee quand même, parce que Dundee, il est de mon côté quand même. Tu connais Dundee, quand même. Allez, je remets ce micro, Dundee, vas-y. Oui, oui, il me connaît, on s'est déjà parlé pas mal de fois en fréquence, ça a bien passé. Hein. Là, c'est, jusqu'à maintenant, ça a toujours bien passé. Ouais. C'est pas bon, Eric, pas de soucis, oui. Voilà, après, t'as Eric, qui est sur Bordeaux, t'as Stéphane qui est sur Presse, et Doudou se trouve. Je m'en rappelle plus, Doudou se trouve du côté de la merde. Je m'en rappelle plus d'où il se trouve. Je l'entends, mais merde, je m'en rappelle plus. Allez, vas-y, Eric. Ouais, ils sont sur Doudou, ils sont sur Selmagne. Tu m'entends un peu, ça va, Frédéric? Oui, ça va, j'arrive à t'entendre. Ouais. Frédéric, pour Doudou. Ouais, Frédéric, l'opérateur Doudou qui t'appelle. Oui, l'opérateur Doudou, je t'entends. Ah, ok, je t'envoie mes amitiés, Frédéric, là. Moi je t'entends, il n'y a pas de souci, ça passe. Hein. Ça passe de mon côté là. Bon, et Stéphane, t'as pas dit Frédéric pour Doudou, c'est Frédéric, t'as entendu Stéphane. Là t'as pas entendu Doudou. Vas-y à toi Stéphane, parle Stéphane, et après on fera parler Doudou à toi Stéphane. Ouais, ok, opérateur Stéphane sur Presse qui reprend les amitiés, Frédéric. Je vais laisser un blanc, hein. Et c'est Doudou qui va reprendre. Doudou, je te renvoie le micro, parle un peu pour voir si Frédéric te reçoit. Doudou, retour.
Ok, il n'y a pas de souci hein, pour le retour, là, ça passe bien pour QR1, il n'y a pas de souci, là, retour Fred. Première rue, il n'entend pas. Oui, ben c'est pour ça, parce que je m'en suis douté. Frédéric a dit oui, mais c'est toi qui l'as entendu, Stéphane, c'est pas Doudou. Ah, moi je suis entre les deux, c'est pour ça. Ouais, Fred qui reprend. Ouais, effectivement, Stéphane, j'entends bien, mais Doudou, c'est trop loin. Ouais, c'est plus compliqué, c'est la colline, je sais pas. Il y a une antenne qui est un peu plus basse. Il suffit pas grand chose, hein. C'est l'aléa de la radio. Ah non, c'est le plaisir de faire la radio. Le plaisir. Ah, y a le chien qui est pas content. Ouais, pourtant, moi j'entends. Ça marche à de mon côté. Hein. Ouais, mais t'entends pas l'opérateur Frédéric qui est derrière, tu l'entends pas. Si, si, le Frédéric, y a pas de souci, il passe bien au QR là. Ah bah, ben, c'est lui qui t'entend pas alors. Il t'entend. Et Frédéric, lui il t'entend. Lui il t'entend, mais toi tu l'entends pas. Oui, mais ça arrive, ça me dit arrive, quand vous faites de la radio, ça me dit arrive. Il y a là qui entendent des personnes, puis toi tu les entends pas, mais ça arrive, ça, c'est la radio, c'est comme ça. Allez, à toi, arrivé, je suis repassé le micro, je vous laisse 2 minutes, moi je reviens. Ok. Alors, ouais, bah tiens, j'en profite, ouais, comme, puisque tu me passes le micro. Donc aujourd'hui, là, pour les quelques petites news, il y avait Radio Broc. Ça, d'accord, je crois que tout le monde a vu. Attends, je suis en train de me planter dans les souris. Pas les souris à quatre pattes, mais les souris, donc, enfin bon, bref, passons. Il y a eu aussi, là, aujourd'hui, le salon radio amateur de Chevonne, dans le département 21. Voilà, qui a eu lieu aujourd'hui. Et en même temps, il y a l'activation Delta Fox Group DX, organisée par 14 Delta Fox 01. Je ne sais pas s'il est avec nous ce soir, là, derrière. Là, qui est du Sud-Gironde ou Sud-Bordeaux. Enfin bon, bref, de ce côté-là, quoi. Je ne sais pas s'il passera dans le QSO, là, aucune idée. Bon, là c'est tout ce que j'ai, là. Là, sous le coude. Je connais pas l'opérateur là, Delta Force, ça me dit rien du tout. Et il est de Sud-Bordeaux, Sud-Gironde, du côté de Langon. Oui, c'est ça, il est du côté de Langon. Ah oui, non, mais je la connais un du côté de Langon, mais c'est pas le même que je mange. Peut-être que je me trompe, voilà. Peut-être que je me vois. Voilà, on retourne au micro, Eric. Attendez, c'est Richou. Moi, je connais Delta One, je sais pas si vous connaissez. Des Delta One non. Et je sais de combien que j'entends souvent 555. On fait les appels, je confonds avec lui. J'ai entendu, tiens. Quand Stéphane parlait, bon. Delta One, moi je connais. Bon, on verra bien, hein. S'il y a une activation ce week-end, moi je serai à l'écoute, de toute façon, il n'y a pas de souci. Ouais, Fred qui reprend. Et Delta One, ouais, c'est pareil, j'ai déjà entendu cet indicatif passer par là. D'accord. Frédéric, si tu l'entends, t'as entendu déjà Delta One ? Il me semble. C'est pas sûr, mais il me semble que j'ai déjà entendu un truc comme ça. Oui, mais ça doit pas être le même. J'en parlerai pas à la radio, là, oui. Ça va être vrai que tu l'entends là-dessus, hein, là, sur ce fréquence. Delta, il se fait appeler Delta One. Delta One. Ouais. Regarde-nous, vous parlez pas du même, on dirait. Ouais, non, je pense pas qu'on parle du même, moi. À mon avis, c'est ça, ouais. Oui, bah, pas sur le 11 mètres. Bon, Doudou, ça y est, t'es rentré dans le menu, c'est bon ? Vas-y, qu'est-ce que t'as mangé ? Je suis en train de regarder à droite, à gauche les menus là, mais je comprends rien là-dedans là. Mais le mieux, bon j'imagine que t'as pas vraiment. Je pense que c'est le TX que tu nous as parlé hier soir, le décamétrique que tu nous as parlé hier soir, moi et Eric, je crois qu'il y avait, où on était tous les trois. Ouais, bah, à moi qui t'ai filé la notice du poste. Sinon, la notice tu vas la trouver sur internet sans problème. Ouais, et voilà, ouais, c'est ouais. Tout, hein, la notice, le certificat d'authenticité du poste, mais c'est tout en anglais ou en algérien, j'en sais rien là-dessus, là, c'est un bruit de ouf, là.
c'est pas la même endroit. On pense à la maison, je l'aurais bien. Justement, non. T'as pas de DMR, toi, Zanny? Et qui, quoi? DMR. Ah, ouais, mais tiens, justement, je le vends. Hein. Là, ça, j'ai d'autres projets là en tête. Bon, c'est un PMR, c'est un Puxing 777. Bon, quand on regarde sur Internet, il vaut 65. Je le lâche à 35, et puis voilà. Quoi. Avec, en plus, antenne... zut, je l'ai pas loin, je l'ai là... sine quoi, ça sine. Putain, je vois rien là. Sine, Nagoya. Voilà. NA771. Voilà. J'ai d'autres idées en tête pour le moment. C'est pour ça là que je le vends. Là. Mais bon, pas par internet, ça m'intéresse pas. C'est, si je le vends, ce sera quelqu'un qui sera en face de moi. Quoi. Oui, mais j'ai compris. Mais je demande si tu fais du PMR. En PMR, en analogique, en numérique, parce que moi je me suis équipé, j'ai le poste, j'ai mis la verticale, la touche trace, et là je vais installer une directive 10 éléments. Ah ben, si toi t'as du monde, t'as de la chance, parce que moi là ici j'ai personne. Hein. Mis à part une entreprise, et encore, ils parlent même pas français, là que j'entends comme ça là de temps en temps, mais c'est tout, autrement c'est rien, il n'y a rien, c'est complètement vide là autour de moi. Hein. Ouais, je vais te dire un truc, si. Ouais, ton bordel, là, je parle comme ça, c'est pas méchant, c'est pas dire qu'il y a toujours à y aller. Moi, c'est mon pari. Ton bordel, tu l'amènes au professionnel là, à Bordeaux, voilà, il va te le programmer, lui, ton truc. Tu vas voir que tu vas entendre des trucs. Moi, je peux te dire que toute la journée, il est branché. Je parle ici, il est. J'écoute les taxis de Bordeaux, j'écoute plein de trucs. Voilà. Il va te le programmer, bah il faut savoir le programmer. Voilà. Ah oui, il est programmé le tien. Ah oui, non mais attends, c'est pas un PMR. Un PMR, ça fait que quand un PMR, tu as que 8 canaux, rien de plus dessus, tu peux rien en faire. C'est un pocket là que j'ai. Et dessus, j'ai j'ai même les 16 canaux 446, enfin utilisés là par les PMR de programmer dessus. J'ai les différents relais radioamateurs du sud-ouest de programmer dessus. J'ai même une fréquence de taxi que je citerai pas pour pas faire de la pub, de programmer dessus. Du côté radioamateur, du côté taxi, un chi trois coups, là si, depuis ici j'entends, il n'y a pas de problème. Mais sur la partie PMR, là c'est le désert moi ici. Hein. C'est dire que de 1 à 8, je peux mettre sur le 8, j'entends du monde, sur le 7, j'entends du monde, sur le 5, sur le... ainsi de suite, j'entends du monde. Bon, après c'est bizarre, hein. Voilà, bon, après c'est comme ça. Voilà, non, c'était pour savoir. Et, je repasse à... parce que Eric, c'est mon technicien maintenant, si vous ne savez pas, c'est mon technicien. Il est embauché chez moi maintenant. Alors si vous voulez lui faire un devis, il faudra passer par moi. Là, mais déjà, là, entre chez toi et chez moi, il y a déjà 20 km. Alors, en simple PMR, là, je vois pas comment. Hein. Entre toi et chez moi, il y a 20 km. Et moi, je pars avec. Comment il s'appelle? Tu dois le connaître. Yannick, qui se trouve
Oui, en avant. En avant, le break. Allez, le break, en avant. Oui, ça passe de mon côté, Angèle. Heureux. Vas-y, Angèle, à toi. Ok, vous êtes en compagnie, il y a Eric sur Vignal, il y a moi sur Presse, Dundee, il y a Thierry Coyote sur Libourne, l'opérateur Frédéric, c'est du côté de la Charente-Maritime, et l'opérateur Dodo du côté de Saint-Magne. Voilà, je renvoie le micro sur Dundee. Dundee, retour. Ok, ben là, ça m'étonnerait qu'il m'entende, Angèle. Hein. Là où il est placé, avec la QRM qu'il a. Mais là, je l'arrive à l'entendre de mon côté. Hein. Là, j'ai fait poursuivre la vidéo, donc là, il pourra s'entendre dedans. C'est pas épais, c'est clair, mais j'ai tout compris de ce qu'il a dit, hein, y a pas de problème. Angèle, t'as pas entendu Dundee, tu l'entends pas? Négatif, c'est le mien. Ouais, je l'entends bien. Ça va ce soir, j'ai pas particulièrement de QRM. Bon là, j'ai le filtre là derrière qui est enclenché, le BHI là qui est mis, bon, d'accord, mais là j'ai pas particulièrement de QRM et t'arrives à passer de mon côté. Hein. T'as eu des soucis d'alimentation là, d'après ce que j'ai compris là tout à l'heure, enfin d'après ce que t'avais l'air de dire. Monsieur le Président, directeur général, fondateur du Web SDR parmi nous. Alors là, c'est retour micro direct. Bon ben, c'est gentil, tous ces titres-là, mais je les mérite pas. Je sais pas de quoi vous parliez avant, alors j'arrive comme un cheveu sur la soupe, enfin bon.
Donc bon, alors ton micro, c'est bien gentil, mais enfin je vais faire tourner tout de suite. Voilà, voilà. J'espère juste que vous aurez, que vous avez bien bouffé au resto, là, pour ceux qui y étaient. Voilà, vous, vous raconterez tout ça à Angèle, Rémi, je sais pas qui y avait d'autres, Eric, je sais pas si tu y étais, enfin bref, voilà. Bien retour, retour Rémi, puis tu fais tourner. Oui, c'était bon, puisque là, on avait, je dirais simplement qu'on a mangé du sanglier ce midi. Et il était bien préparé et tout, ça, c'est, je m'attendais à quelque chose de fort au niveau viande, mais pas du tout. En plus, là, c'était bien préparé en sauce et tout, ça, bien, bien comme il faut. C'était bien sympa, quoi. Ouais, voilà, je dirais que ça. Le reste, il faudra demander à Daniel. Attends, je vais pas tout dévoiler quand même. Ok, ça marche. Ben, vous êtes régalé, c'est très bien. Bien sûr que c'est délicat le sanglier. Demande à Obélix. Il y a un vrai qui s'est manifesté. Si ça vous ennuie pas, je laisse rentrer. 73, 14 ODA 860 pour l'ensemble du groupe. 73, le vrai qu'en avant. Ouais, les 73 de Philippe, ouais, que j'ai entendu là derrière, là, ce soir, là, ça passe de mon côté, là, c'est impeccable. J'ai pas de QRM, c'est nickel. Ouais, justement, tu dis qu'il y a que du vieux. Alors, j'ai vu un message, là, tout à l'heure, là, sur Facebook. La maison de retraite était sortie aujourd'hui à Radio Broc. Hachis trois coups. Alors, je sais pas si ça parlait de matériel ou des OM. Bonne soirée, bye bye, à la prochaine. Les amitiés de l'opérateur Stéphane 113, ciao, ciao. Allez, salut, Steph. Allez, bye bye, Stéphane, très bonne soirée. Bonne soirée, Stéphane 113, ciao. Ok, Stéphane, bonne nuit. Oui, j'ai entendu quelqu'un, là, très très QRP, là, dans le lointain, en avant. Il y a Philippe qui part sur le 113 à tout le monde, 113 à Philippe, merci du petit coucou, voilà. Je fais le QSP pour tout le monde, vu que tout le monde ne te copie pas, et je crois que Rémi, dit sur modulée, ne te copie pas, justement, voilà. Oups. Passe un bon week-end à ta fille, voilà. À ton micro, Rémi, puisque tu te l'avais dans les mains. Eh bien, justement, tu vois, là, vu que c'était un peu plus petit que tout à l'heure, Philippe, je ne l'ai pas reconnu de suite. Alors, oui, Ludovic, là, t'as fait quelques petites trouvailles aujourd'hui. Oh, des trouvailles, vite fait, quoi. J'ai récupéré des petits condensateurs variables, là, et puis une petite charge fictive, avec une prise SMA dessus, qui tient quand même la modique puissance de 250 watts. Hein. Alors c'est un tout petit truc, mais faut le coller à un radiateur, à un gros bloc d'aluminium, voilà, parce que sinon ça crame, hein, bien sûr. Voilà, donc la petite charge fictive de 50 ohms,
à 12 balles, ça va quoi. Eh bien tiens, justement, là, j'ai discuté avec un OM qui, lui, a trouvé la charge fictive complète. Hein. T'as un espèce de radiateur dessus. Oh la vache, la longueur d'un poste, hein, le radiateur. Hein. Là, carrément. Hein. Et 250 watts aussi, hein, pareil. Il y avait des gros trucs en termes de radiateur. Là, c'est marrant, on voit rarement ça, mais là, il y avait quelques explosants là, qui avaient de quoi faire du refroidissement. Enfin, voilà. Plutôt sympa. Bon, on va faire tourner peut-être, retour micro sur Frédéric, que j'ai pas encore entendu, je crois, depuis le début du QSO, donc on va faire tourner, puis je crois qu'il y a aussi Thierry derrière, donc quand même, on va faire tourner tout ça. À toi, Frédéric. Ouais, Fred qui reprend. Ouais, effectivement, les charges fictives, là, les 250 watts, c'est un truc de malade. J'ai quand même entendu, mais je pense que j'aurais dit, tu vois. Donc, bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, il y aura peut-être qu'ils passeront sur les groupes de vente ou sur les petites annonces. On va bien réussir à trouver ça par la suite, c'est pas bien grave. C'est dur, hein, Frédéric, pour te copier. Là, il y a des QRM à gogo ce soir là, chez moi, donc bon, ça va, j'ai réussi à peu près à tout comprendre. Je continue de faire tourner. À toi, Thierry. Ah, ouais, c'est un petit peu pareil de mon côté. Là, c'est assez QRM, donc on fait avec, malheureusement. Eh bien, c'est du 54, hein, Frédéric, là, de mon côté. Là, c'est vraiment très propre. Là, c'est le rêve là pour moi ce soir. Hein. On pourrait presque croire que j'ai le squatch qui est mis, alors que pas du tout. Hein. Ah bah écoute, ton report Rémi, bah pareil hein, de ton côté, 54 pour toi également. Hein. Ah ouais, comme quoi là, c'est vrai que là ce soir, putain la vache. Et au fait, tout à l'heure, là, un peu vers les... oui, voilà ça. Vers les 18h, 18h30 je crois, ouais dans ces eaux-là, peut-être un peu plus même. Il y a eu un petit peu de propague là qui est passé, hein. Ça a été très furtif. Hein. Ouais effectivement, j'ai entendu aussi, j'ai dû balancer un ou deux appels, mais non, j'ai rien reçu. Ouais, non, moi j'étais déjà parti, comme là, la seconde, là, j'étais déjà parti là dans mes montages vidéo et tout, ça, récupérer les photos que Daniel Senteur a pris pour les ajouter, ceci, cela. Alors, je me suis là, si je commence comme ça va pas le faire. Ah, chi ! Ouais, c'est ça, ouais, si on commence à faire plein de choses à la fois, c'est le meilleur moyen de rien faire du tout. Ouais, voilà, alors, c'est pas grave. Et puis en plus de ça, le côté vidéo, ce que j'aime pas, c'est que quand ça traîne trop longtemps, après ça devient du réchauffé, et ça a plus le même effet, quoi. Oui, c'est ça, puis après, on n'a plus les mêmes idées qu'au départ, de ce qu'on voulait faire, comment on voulait tourner la vidéo, et puis tout ça, donc bon, c'est vrai que vaut mieux que ce soit fait dans la journée, dans les 48 heures, on va dire, comme ça on a encore les idées claires sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on aimerait que les gens voient et tout, quoi. Oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, tu vois, en même temps, là, je suis en train de bosser dessus. Et là, pour ce matin, là, je suis déjà rendu là à 27 minutes. Et je suis loin du compte. J'arrive pas à trouver à quel endroit je peux raccourcir dessus. Ah, chie. Ah oui, effectivement. Ah oui, ça va faire une sacrée vidéo, quand même. Eh bien, d'après ce que j'ai vu là tout à l'heure, on va dire en brut de décoffrage, rien que pour Radio Box seul, j'en ai déjà 1h17, je crois, un truc comme ça. Après, il y aura une deuxième en suivant, sur la route pour aller au resto, avec photos et tout de rajouter. Ah oui, quand même. Ah ouais, donc ça va faire une bonne petite vidéo finie de 3 quarts d'heure, 1 heure, quoi. Oui, pour la première, oui, si j'arrive à la raccourcir suffisamment, parce que ça, c'est pas gagné, ça. Puisque là, Daniel m'a passé pas mal de photos que je rajouterai à la fin. Bon, c'est pas grave, ce sera comme ça sera. Les gens qui regarderont, ben, ils feront des pauses. Hein. Voilà, et puis ils reprendront la fuite du feuilleton après.
quelqu'un, tu mets une pub entre les deux et puis ça fera une coupure. Ah putain, là je me fais payer là pour le coup. Ah bah oui, tant qu'à faire. Tu fais ta pub pour le forum et tout, et puis voilà. Hop, j'ai entendu Doudou derrière. Allez, c'est un petit QRX ça. Je reviens. Ok, ça marche. Bon, retour du Dominic. Ben merci, je retourne micro, pas de soucis. Je sais pas qui, si Eric est de retour. Ouais, c'est celui-là. Mais là, vous regardez. comment ça va depuis tout à l'heure? Eh bien, ça va impeccable. J'étais venu chercher un petit café là, toi. Ça fait du bien, un bon petit café, c'est l'heure, hein? Ah, je vous disais bien que ça sentait le café. Alors, oui Eric, tu t'es fait plaisir ce midi ou pas? T'es allé manger au restaurant ou t'es rentré directement chez toi? Ah non, c'est pas allé manger au restaurant, hein. Non, non, non. Ah, c'est... Enfin bon, après, chacun fait comme il veut, hein, c'est bien dommage. Non, mais je t'ai dit, c'est une question de goût perso, et voilà. Non, j'ai pas arrêté manger au resto. Ouais, bon, ok. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Ouais, je crois que c'est quelqu'un d'autre derrière. Eric ? Oui ? Mario 73, mais il y a Ludovic, il y a Rémi, il y a Gosse d'une station Frédéric qui est du côté de la Charente, il y a Doudou par là, voilà, donc vas-y, retourne Ludo, il y a Mario qui est arrivé. Ludo ? Oui, pardon, petit Eric pour moi. Ok, vas-y Rémi. Oui, les 73 de la station de la part de Dindy 33, 14 km 3301, pour le groupe du QSO national du canal 27, section sud-ouest. Eh bien, de mon côté, c'est une bonne radio 4 et Santiago, je t'en. J'ai repéré comme ça, là, je mets les lunettes. Santiago 2 de mon côté, bonne radio 4. Et j'ai pas senti quoi que ce soit au niveau calage en fréquence, au niveau ouais, de décalage en fréquence. Pour ma part, c'est pile poil dessus. Hein. C'est bon, Mario, c'est bon hein, pour la fréquence, c'est bien calé. Là, je crois, par contre, même si en termes de large, là, non? Du côté de Montmillon. Je l'entends, oui. Tu écoutes l'opérateur Mario?
Oui, Mario, je t'entends, mais très très faible. Effectivement, c'est sûr que l'acte de 10 watts, à peine 10 watts, se construit, Eric, faut dire. Ouais, 10 watts, c'est vrai que c'est pas énorme, là. C'est énorme, mais c'est sûr que... Bon, par contre, là, je sais pas ce que t'as fait, la radio se dégrade. Peut-être qu'il y a un relais. Donc, le temps de mouvement que le relais enclenche pour parler. Ouais, peut-être qu'un coup de bombe le cache, hein, parce que tu vois, tout à l'heure c'était beaucoup mieux. Et là, j'ai l'impression que ça se dégrade un peu. 73, Mario. 73, ouais, ça se dégrade. J'ai pas compris. Ouais, ta radio se dégrade là, tu vois. On dirait que. Comme si ton anime chutait, tu vois. Ben oui, peut-être un souci, je sais pas. Non, pourtant, l'alimentation, elle. Et c'est costaud. Non, c'est peut-être un autre problème, mais je sais pas. Hein. Mais il n'a pas marché depuis des années. Ah ouais, mais tu vois, au fur et à mesure, c'était mieux tout à l'heure, et là, c'est vrai, même Rémi, il vient de se le dire, tu vois. La radio se dégrade un petit peu, c'est dommage. Au revoir. Vas-y, Lidou. Ouais, désolé, j'avais une petite urgence, là, il y a eu de la flotte partout. Des pulls à écouter, il y en avait partout, donc il fallait mettre des bassines. Et voilà, mais je sais pas, c'est Mario qui est arrivé là, juste avant que je parte, 73 Mario. Voilà. T'as reçu du dos, Mario ? Ah, il y a dû avoir un petit problème à le poste, je pense. Ah, et là, je viens de changer de micro. Est-ce que ce micro est plus adapté ou pas ? Allez, Lido. Moi la radio elle est très très grave, j'ai pas essayé de clarifier donc c'est peut-être juste ça, mais sinon ça paraît propre, hein. En tout cas ça arrive fort ici. Oui, je suis pas loin de toi certainement, Ludo. Donc je vais te mettre un MC80, peut-être que ça fout cette loi que l'autre. C'est bien la peine.